Steve Jobs a rencontré le président Obama. C'est le président Obama qui l'avait convoqué. Parce que tout ce que Apple fait, c'est fait dans les pays asiatiques. Et tous les ouvriers qui travaillent sur les produits ont un haut taux de diplomation, là, les employés ordinaires. Fait que Obama dit à Jobs, écoute, si je m'engage à faire monter le taux d'expertise, le taux de compétence des ouvriers dont tu as besoin, est-ce que tu vas rapatrier la fabrication des produits Apple? Steve Jobs dit, le problème n'est pas là. Le problème vient des contremaîtres, des ouvriers. Il y en a partout. Mais moi, ça me prend un ingénieur universitaire par 9 employés sous lui. Les contremaîtres, là, c'est des diplômés d'université. Et c'est de ça que j'ai besoin. Puis les Chinois sont capables de me les donner, puis pas vous. Les Chinois savent depuis longtemps que savoir, c'est nécessaire. Savoir, c'est mieux que pas savoir. C'est ma devise. Savoir, c'est mieux que pas savoir. Donc, il y a toutes sortes de facteurs au Québec qui freinent l'investissement dans le savoir. On est beaucoup trop asservi au savoir des autres.